Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo qui va concerner Warpinator sous GNU Linux et Mabuntu DE3, en l'occurrence DE3 1.02. Warpinator est un logiciel qui va vous permettre le transfert de fichiers au travers le réseau local. Warpinator est un logiciel, j'allais dire, développé par l'équipe de Linux Mint, mais non, dont le développement a été repris par l'équipe de Linux Mint, parce qu'il faut savoir que Warpinator n'est pas nouveau. Sous Linux Mint version 6, donc il y a plus de 10 ans de cela, existait un logiciel qui se nommait Giver. Ce logiciel a été abandonné, mais tout simplement parce que son développement a été abandonné. Donc depuis, eh bien, Giver manquait cruellement. Donc Linux Mint s'est dit, nous allons reprendre le code source de Giver et développer un Giver 2.0. Ben voilà, qu'ils ont nommé Warpinator. Le protocole utilisé pour le transfert de fichiers est du gRPC. Voilà. Alors, le protocole gRPC a été initialement développé par Google. Vous aurez des tas de liens en description. Alors, d'ailleurs, je vais déjà vous montrer. Voilà, on peut voir à quoi ressemblait Giver. Il y a de cela. Bon, on peut voir, regardez, hein. Il y a 8 ans, il y a 8 ans, il y a 8 ans. Voilà. Donc on peut voir à quoi ressemblait Giver et on peut voir que Clem l'utilisait. OK. Donc Giver et donc Warpinator utilisent le protocole gRPC. Voici la page officielle. Donc gRPC.io. Et voici la page gRPC sur Wikipédia. gRPC est un framework RPC, Remote Procedure Call, open source, initialement développé par Google. Il utilise le protocole HTTP2 pour le transport, protocole buffer comme langage de description d'interface, et offre des fonctionnalités telles que l'authentification, la transmission bidirectionnelle et le contrôle de flux par le blocage ou non des communications par annulation ou délai d'attente. Il permet la construction de liaisons client-serveur multiplateforme pour de nombreux langages. Mais revenons à nos moutons. Il y a peu de temps de cela, Patrick de Mabuntu a fait rentrer une nouvelle personne sur le Framagit de Mabuntu. Le nom de cette nouvelle personne est Ange des Ténèbres. Son petit surnom, son petit nom, c'est Ange. Et Ange a sorti deux articles. Un article bien intéressant que voici, où il parle de Mabuntu. Donc, Mabuntu, bien plus qu'une simple distribution. Regardez en description de vidéo, vous aurez tous les liens. C'est intéressant. Allez lire. Voilà, je ne vais pas tout faire. Et cette nouvelle recrue, si je puis dire, a sorti un deuxième article sur Warpinator. Warpinator, un super logiciel pour transférer ses fichiers via le réseau local, mais c'est Warpinator sur Mabuntu. OK? Allez voir son article. Qui est bien fichu. Et la vidéo d'aujourd'hui va, entre guillemets, servir à étayer cet article de blog. OK. Donc, je vais avoir besoin de deux machines virtuelles identiques, donc deux GNU Linux et Mabuntu DE3 architecture 64 bits, donc Mabuntu DE3 1.02. OK.
machine virtuelle que je lance maintenant. Et on va donc sur ces deux machines virtuelles installer donc le logiciel Warpinator. Vous allez voir une installation simplifiée grâce à un petit script développé par notre ami Patrick. Voilà, je me connecte à la première machine. Je me connecte à la deuxième machine. Firefox. Et tout simplement, une petite recherche en plus sur Lilo, moteur et solidaire. Donc, comme terme, on va introduire Warpinator. Évidemment, ça n'a pas Warpinator. Mubuntu. Voilà. Ajouter Warpinator sous Mubuntu DE3. Même chose de l'autre côté. Warpinator. Mubuntu. Voilà, j'utilise ce lien-ci. Même chose de l'autre côté. En description de la vidéo, vous aurez tous les liens. Alors, il va juste falloir récupérer un petit script. Voilà. Je clique. Télécharger Warpinator, c'est une archive en .tar.bz2. Voilà, je vais l'enregistrer. Ok, même chose ici. Télécharger Warpinator, enregistrer. On peut fermer Firefox côté gauche. On peut fermer Firefox côté droit. Nous allons ouvrir notre ami Thunar qui est le gestionnaire de fichiers. Onglet téléchargement. Clic droit sur l'archive. Extraire ici. Clic droit sur l'archive. Extraire ici. Ensuite, nous allons simplement ouvrir une instance terminal. Voilà. Comme ceci. Et c'est parti. On liste avec ls, on rentre dans le répertoire téléchargement. On liste, on voit que l'on a notre archive.tar.bz2 que l'on a extrait et qui nous donne un répertoire qui porte le nom de Warpinator. On rentre dans ce répertoire, on liste et on peut voir que l'on a un script d'installation. Install underscore warpinator.sh. Donc simplement sudo sh install underscore warpinator.sh. On rentre son mot de passe du Seigneur qui va bien. La détection de l'architecture se fait. On peut voir architecture 64 bits. On fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on liste. On rentre dans téléchargement. On liste. CD Warpinator. On liste. Et on fait sudo sh install underscore warpinator.sh. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. On valide. Détection d'architecture. Et c'est parti. Donc bien évidemment, j'ai configuré mes deux machines virtuelles de sorte à utiliser une connexion par pont pour pouvoir avoir accès à mon réseau local. D'ailleurs, si je fais un clear, voilà, et que je fais un IPADD, on peut voir que j'utilise l'adresse 192.168.2.34. Voilà. Et de l'autre côté, si je fais un clear et que je fais IPADD,
On peut voir que j'utilise l'adresse IP 192.168.2.28. Voilà. Je ferme l'instance terminale et regardez. Warpinator, je lance. De l'autre côté, je lance initialisation et détection des machines sur le réseau local. Oh, c'est magnifique! Évidemment, ici, c'est un peu trompeur parce que les deux machines virtuelles sont identiques, ce sont des clones, donc le nom de la machine est identique. Ok? Et le nom utilisateur également. Le nom complet, blablateur. Le nom utilisateur, BBL, BBL. Et le nom de la machine, BBL-MADE3-VM, des deux côtés. Voilà. Tout ce qui différencie, c'est quoi? C'est l'adresse IP. OK? Donc, directement, on peut aller dans Préférences. En fait, il est bien réglé comme il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un répertoire Warpinator va être créé dans votre dossier personnel. Donc, ici, voilà, on le voit d'ailleurs. OK? Donc, quand vous allez réceptionner des fichiers, donc quand on va vous envoyer des fichiers ou des dossiers, peu importe, c'est là-dedans que vous allez pouvoir retrouver donc ce que vous avez réceptionné. OK? Vous pouvez modifier. OK? Donc, on ferme, on peut aller voir la version, version 1.0.6. Et c'est parti. Donc, je sélectionne cette machine, qui est en fait celle-ci. Voilà. Alors, je vais envoyer des fichiers. On peut voir que la machine est bien en ligne. Ça, c'est les fichiers récents que j'ai utilisés. Non, je vais aller dans Parcourir. Et ici, je transférais autre emplacement, ordinateur, USR, share, backgrounds. Oui, j'ai vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment pas beaucoup. C'est pas grave. Allez, je vais me transférer ceci. Envoyer. Accepter. Voilà, le transfert est déjà fini. Ben oui, 520 KO. Je clique. Voilà ce que j'ai reçu. OK. Ouvre-moi le répertoire Warpinator qui se trouve dans mon dossier personnel. Et voilà, j'ai bien reçu le répertoire XFCE. C'est génial, hein? L'inverse maintenant. L'inverse. Je sélectionne cette machine-ci, donc qui est celle-ci. Alors, je vais envoyer des fichiers. On peut voir que de cette même machine, j'ai déjà reçu des fichiers. OK. Alors, si je me transférais à balai, l'archive.tar.bz2 de Warpinator. Hop. Accepter. OK. Ouvre-moi le dossier Warpinator qui contient ce que je viens de recevoir. Voilà. Splendide, hein? Ça fonctionne très bien. Et également avec les gros fichiers. D'ailleurs, dans une vidéo précédente, puisque Warpinator, ce n'est pas la première fois que je présente, hein? Voilà, sur la chaîne, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et sous Linux Mint, j'avais fait le même genre de vidéo. Deux machines virtuelles Linux Mint. Mais là, je m'étais amusé à transférer des gros fichiers. Et qu'est-ce que j'avais utilisé? J'avais utilisé l'image ISO de Linux Mabuntu DE3 ou DE4, je ne sais plus. Voilà, pour avoir quelques gigas envoyés et ça fonctionne très très bien. Voilà, moi j'espère que cette courte vidéo concernant Warpinator sur GNU Linux et Mabuntu DE3 1.02 vous aura plu. Je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.